Commencez par déposer les glissières fixées sur la porte. Lorsque les fixations de la charnière ne sont pas accessibles côté placard, il faut retirer les vis sur la porte. Déclipsez la charnière restante et retirez-la. Dans le colis de la nouvelle porte, récupérez des chevilles nylon. Placez-les de part et d'autre des réserves, des charnières inférieures. Déballez la nouvelle poignée et fixez-la sur la porte. Vissez la charnière supérieure sur la nouvelle porte et remettez-la en place. Vissez les charnières inférieures. Positionnez la glissière dans son logement en laissant une marge d'au moins 2 cm depuis le bord de la porte et marquez l'emplacement des vis. Enfin, fixez les glissières.